Coucou, c'est Cathy. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo tuto pour une petite carte avec le dice de chez In Love Art de la marque Cocorosa. Donc tasse avec les fleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une découpe dans du papier fleuri. Là, les découpes sont dans le papier fleuri, je les ai ancrées, mais je vais pas m'en servir. Je vais peut-être me servir de des découpes feuillage que j'ai ancré avec ces deux encres là. Et j'ai pris des die cuts. Alors mon die cut là c'est cassé, mais c'est pas grave, je vais faire un montage sur ma tasse. Et là j'étais en train d'hésiter à mettre sur du verre ou de l'écru. Allez, écru. J'avais coupé les deux comme ça. Je vais peut-être c'est me. Non, j'ai de l'encre sur les mains, mais c'est pas grave. Alors, je vais ancrer le pourtour de ma carte. Je regarde bien que ma carte soit au bon endroit. Je vais mettre le double face en dessous. Morceau quand même au milieu. Hop, je vais me frotter les mains. Parce qu'avec du papier clair, quand on a utilisé du marron, voilà. Alors, je voudrais faire un truc dans ce style. Ce, je vais y arriver. Alors. Donc, je vais les mettre là. Je ne sais pas si je vais accrocher d'abord mes fleurs et voir ensuite. Parce que vous voyez, on peut les passer sur plusieurs étages. Voilà. Hop. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Ensuite, je vais mettre du feuillage encore là. J'ai peur, j'ai cru qu'il y avait une tache. Par contre, je voulais l'incliner la tasse, mais je pense que droite, ça sera mieux. Donc ça, comme ça, on va peut-être, oui, voilà, mettre ça un peu plus. Je pense que comme ça serait pas mal. Voilà. Peut-être y glisser des petits feuillages de la collection. Il
Je pense que ça serait pas mal. Ça, je voulais le mettre là, mais ça va peut-être pas être possible. Hein. Ou alors, il faudrait que je change de côté ma fleur. C'est-à-dire, comme ça. Celle-ci, comme ça. Si je fais ça, je peux mettre ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc moi, j'ai tout ancré. Je suis en train de réfléchir, je sais pas pourquoi le jaune il me gêne. Si je le mets sur le gris, ça peut le faire aussi. Mais je pense qu'on va faire plutôt comme ça. Bon, je mets pause 2 minutes, le temps de coller. Vous savez un peu, vous savez coller, hein, ça évitera que. Oh bon, quoi que ça va. Je vais juste mettre sur pause pour aller chercher un sentiment. Me revoilà. Donc on va coller. Alors, j'ai posé ma colle. Je vais coller le ruban en premier. Doucement, pisse. Donc là, je vais retourner ma tasse comme ça et je vais mettre du coach. Bon, ça devrait aller. Peut-être coller un petit morceau là. Voilà. Alors, on va le retourner, je vais réessuyer ça. Et voilà. Bon, je mets pas de la colle partout, je vais laisser un peu. Regardez, c'est joli avec des die cuts. Hein. Bon, après, avec les fleurs, c'est joli aussi, hein, mais j'ai pas envie de mettre ça. Ça ira. Par contre, je vais marquer et je vais mettre l'heure du thé. Alors, me demandez plus la police d'écriture, je ne m'en souviens plus. Tout à l'heure, je l'ai vu, tea time ou l'heure du thé, non? Oui, il y a l'heure du thé là, ou tea time. Il y a de ce côté-là ma pause thé, et il doit y avoir l'heure du thé là.
Donc, je vais découper les deux et voir celui qui va le mieux. Je pense que ça sera plus celui-là. Ça, je vais l'ancrer un peu en rose. Je trouve que le gris et le rose, ça va bien ensemble. On va le laisser rectangulaire. On va mettre un petit. Je vous dis pas, ça y est, hein. J'ai fait deux cartes aujourd'hui. C'est le bazar. Je ne retrouve plus rien. Attends, je viens de le poser, mon double face. Ou alors il est tombé. Non, il est là. Je me demande si je ferais pas ça. Comme ça. Je crois que je vais faire ça. Alors, on va mettre celui-ci. Voilà, si elle a mis ses doigts dessus. Je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre de la colle. Pour être sûr. Hop. Alors je par contre je vais pas en mettre sur les fleurs, sur les feuilles. Comme ça j'aurais utilisé quand même le feuillage. Alors tu vas par là. Voilà. Et peut-être mettre une petite fleur là. Voilà. De la collection. Est-ce que je mets ça avec la fleur? La feuille, elle est grande par rapport à la fleur. Je pense que je vais mettre ça au milieu. Demi-perle. Oui. Et ben voilà. Allez. Et du coup, bah, je vais en mettre une sur la tasse. Allez. On dit que généralement il faut les mettre par trois. Je suis pas contrariante.
Mince, je l'ai tordu. Ah, quelle andouille. Je crois que je l'ai laissé trop longtemps sans l'aiguille, ça a séché. Bah écoutez, moi je suis plutôt contente hein, de cette petite carte. Regardez. Plutôt jolie, hein. Bah voilà, j'espère que cette petite carte pour In Love Art Shop vous aura plu. N'oubliez pas, tous les liens seront en barre d'infos et vous avez avec le code promo Katichou 25%, ce qui n'est pas négligeable. Et la livraison généralement entre 1 et 2 semaines environ. Voilà, ah, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!